Voilà, Dieu merci. J'espère que ça ne va pas déranger ici. Bonsoir, pardon, pardon, partagez-moi la vidéo si. Trop, c'est trop. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Trop, c'est trop. Là, hein, je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. J'en ai marre. Partagez, s'il vous plaît. Et malheur à la personne qui va me dire de ne pas répondre. Ne venez pas inbox me dire que je ne vais pas répondre. Trop, c'est trop. On a tous un cœur. Partagez la vidéo. Ce soir-là, comme la mère qu'on appelle Zoa, à moins qu'elle va bloquer mon direct, attends, chercher le clash. Zoa, prépare-toi parce que je ne te connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Tu t'es arrangé à saboter mon business. On va clasher Zoa. Tu as fait ton dernier direct aujourd'hui. Tu as dit quoi? Que je ne te réponds pas parce que je reconnais tout ce que tu dis. Je ne te répondais pas depuis parce que je te prenais. On dit. On répond les imbéciles par un coup de silence. Zoa, je te prenais comme une imbécile. C'est pour ça que je ne te répondais pas. Mais tu t'assois, tu ouvres ta grosse gueule. Tous les jours, tu as mon nom dans ta bouche. Zoa, je te dois quoi? Ma mère, je te dois quoi? On discute un homme? Tu me veux quoi, Zoa? Quand tu étais ici au Cameroun la dernière fois, parce que toi tu ne connais pas le chez moi, tu as tout fait pour que je vienne chez toi. Zoa, j'étais connue dans les réseaux sociaux. Je venais défendre Carole Abena. J'étais connue dans Facebook. Marthe Chopin Zoa. Tu as voulu que je te fabrique. Tu as voulu prendre mes followers. Tu vas les prendre aujourd'hui. Parce que à partir de ce soir, Marthe Chopin Zoa, je vais te clasher. Tu as cherché les clashs ici au Cameroun. Je vais donc te clasher. Pour commencer, je vais clasher Marthe Chopin Zoa. Comme elle a voulu qu'on entre dans les clashs parce qu'on discute je ne sais pas quoi. Jusqu'à gâter mon business. Raconter aux gens que je m'en vais acheter ça, je ne sais pas où. Zoa, tu vas me prouver. La dernière fois que tu m'as cherché, tu as dit que tu allais venir au Cameroun m'enfermer. Une menteuse. Une sale menteuse. Une racaille. Zoa, tu es qui? Tu as mon argent dans tes poches et tu m'insultes, tu me salis devant le monde entier. Tu es malade. Zoa, dès ce soir, je te clash. Si c'est la pacotille que tu m'as offert, je vais vous montrer la pacotille que Zoa m'a offert. Je vais commencer par brûler ça. Voici la pacotille. Si c'est pour ça, Marthe Chopin Zoa, que je ne peux plus respirer dans Facebook, je commence par brûler. Trop, c'est trop. Je commence d'abord par là. Elle s'assoit devant le monde entier sans les allumettes. Elle s'assoit devant le monde entier. Elle dit qu'elle me connaît. Zoa, tu me connais? On se connaît où? Ma mère, on se connaît où? Zoa, je t'ai connue dans Facebook. Trop, c'est trop. Pourquoi tu sabotes mon gagne-pain? Je n'ai plus rien à gagner, rien à perdre. Parce que tu as dit dans ta dernière vidéo, tu as dit que je ne réponds pas parce que je reconnais ce que tu dis. Je vais donc commencer dès ce soir à te répondre. Vous pensez que comme les gens ferment leur bouche, c'est parce qu'ils ont peur de vous. Une racaille, elle se lève le matin, elle ne lave pas son cul. Elle vient s'asseoir avec mon nom dans les réseaux sociaux. Zoa, tu es malade? On se connaît? Zoa, je t'ai connue dans les réseaux sociaux. Je ne te connaissais pas. Je t'ai connue parce que je venais défendre Carole. Je te connais où, la vieille racaille? Je te connais où, Marthe Chopin? Tu dis que j'achète les produits où? La dernière fois, tu as fait le bruit. Quand tu es venu au Cameroun, tu as fait le bruit. Les allumettes, pardon, les allumettes. Ils sont où? Donnez-moi les allumettes. Je vais brûler la chinoiserie là. Je n'arrive plus à respirer parce que quelqu'un m'a offert la chinoiserie. Merci papa, merci. Ouais, c'est un seul. Elle est où? Prends l'argent là. Prends l'argent dans la chambre. Achète-moi les allumettes. Je vais brûler la racaille là. Je ne vais plus respirer parce que quelqu'un m'a offert la chinoiserie. Zoa raconte qu'elle me connaît. Zoa, voyez ma vie.
Tu m'as déjà traité de tous les noms. Je reste tranquille. Je vais te montrer que la bouche des boulous, là, la bouche des boulous, nous tous, on a sa joie. Peut-être je vais respirer. Je vais respirer. Elle est où? Va vite acheter les allumettes. Où, maman? Cours. Trop, c'est trop. Une racaille comme ça. Elle m'offre la chinoiserie. On lui dit que je mets la chinoiserie. Zoua, j'ai des centaines et des milliers de sacs. Voilà mes sacs à main. Une fille qui vit au Cameroun. Voilà mes sacs à main. Voilà. J'ai toutes les qualités. Moschino, j'en ai. Chanel, j'en ai. Chanel de toutes les couleurs. J'en ai. Toute qualité de sac. Zoua, tu vas me manquer de respect par rapport à quoi? On est za. On est djé. Et bolo djon. On est djé. Depuis là, je reste tranquille. Voilà quand on dit que c'est Louis Vuitton. Voilà le bon, c'est toi qui vends. Apprends à vendre le bon. Zoua, je vais te traiter. Dès maintenant, on entre dans les clashs. Une vieille ronrombière. Une salope. Une sale chienne. Une racaille. Une vendeuse de piments au temps d'Aïdjo. Si tes maisons closes t'ont dépassé de gérer, tu laisses mon business tranquille. Marte Chopard de mon cul. Tu laisses mon business tranquille. J'ai souffert pendant 15 ans. Tu as dit quoi dans ton vidéo? Que je ne te répondais pas pourquoi? Allume le feu, allume. On ne va pas te montrer, allume. Mets le feu là. Mets le feu. Mets le feu dans la salité là. Peut-être que c'est pour ça, elle va laisser mon nom tranquille. Jette. Allume. J'ai le téléphone, je vois. Allume. Jette, n'aie pas peur. Ouais. Fais doucement. Pose ton cœur. Allume. Ça, c'est la chinoiserie que la salope de la vieille chose de Zoua m'a offert. Mets dedans. Mets encore, allume un autre feu. Ça va prendre. J'en ai marre du sabotage. Va chercher les papiers, va chercher les papiers. Cherche les papiers. Dis Bendy. Et Bolojom, elle me prend maintenant, je suis à Guinée équatoriale, guinéenne. Tu manques de respect aux Guinéens par rapport à quoi? Tu es qui? Tu as dit, tu as fait ton bruit la dernière fois, ça fait 5 mois. Je t'ai laissé, ce n'est pas parce que j'ai peur de toi. Hein. C'est par respect parce que tu t'es fait passer pour ma belle-mère. Tu es ma quelle belle-mère? Du n'importe quoi. Zoua, tu t'assois sur Facebook, tu dis que tu me connais bien. Tu me connais où? Zoua, tu me connais où? Va chercher les papiers. Faut pas m'énerver. Faut pas que je descende soi. Une salope comme ça, ça soit sur moi pendant une semaine sur Facebook. Ne m'appelez pas. Parce que vous êtes les mêmes qui sont là-bas chez Zoua. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Les mêmes gens, vous êtes chez Zoua là-bas. Vous voyez tout ce qu'elle me fait depuis une semaine. J'ai un cœur. Que personne ne m'appelle. Que personne ne m'appelle. Je dis, je n'ai plus rien à perdre ni à gagner. J'en ai marre. Ça, c'est la chinoiserie que Zoua m'a offerte. Ne m'appelez pas. Pardon, viens arrêter comme ça, on ne va pas te voir. Moi-même, je vais allumer. Ne m'appelez pas. Ça, c'est la chinoiserie que Zoua m'a offert. Peut-être elle va un peu me laisser. Arrête comme ça, ne touche à rien. Arrête juste là. Dis Bendy. Je n'arrive pas à respirer. Hein? Une femme m'insulte matin, midi, soir. Une femme qui a l'âge de ma mère. J'ai fait quoi la mère si? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au point de gâter mon business? C'est que j'allume même les comédies là. Comme... Qu'est-ce que j'ai fait? Viens avec les trucs, maman. Ça, c'est la chinoiserie que Zoua m'a offert. Viens avec les papiers. Je montre à Zoua qu'elle n'est rien. Une salope qui est venue chercher l'amitié au Cameroun. Elle m'a fouillé dans Facebook. Je ne te connais pas, Zoua. Je connais Carole Abena. C'est Carole Abena qui est ma copine, pas toi. Je ne te connais nulle part. Comme tu as cherché le clash, je n'ai plus rien à perdre. Tu as déjà gâté mon business. Je vais te répondre. Ça, c'est ce que Zoua m'a offert. Je vais te répondre. Marthe Chopard, Iboaloudjoum, tu te places, tu m'insultes matin, midi, soir. Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je discute quoi avec toi? Tu vas me manquer de respect tous les jours pour la racaille. Tu te places dans Facebook, tu racontes aux gens que tu me connais. Zoua, tu me connais où? Voici les conneries que tu m'as offertes.
La chinoiserie. Je n'ai plus respirer parce qu'une soi-disant belle-mère est venue au Cameroun m'offrir les conneries. Je suis à ça près. Je suis au Camerounais. Je vis au Cameroun, mais je ne porte pas la racaille. Comme, regarde comment ça prend feu. Regardez. Pour des articles de qualité. Elle qui vend le qualité. Regardez comment ça prend feu. J'ai même peur que ça brûle ma maison. Pour quelqu'un qui vend les articles de qualité. Regardez. J'ai dit que Zoua, je vais te clasher tous les jours. Voilà la chinoiserie que Zoua m'a offerte. J'ai connu Zoua dans Facebook. Je ne peux plus respirer. Regardez. Vraiment, Zoua, arrête de vendre la chinoiserie aux gens. Regardez. Ça va même prendre feu. Ma maison peut même prendre feu. Ouais, le plastique. Zoua, tu vends quoi comme ça aux gens? Qu'est-ce que tu vends comme ça aux gens? Ça peut même incendier la maison. Zoua vend quoi comme ça aux gens? Tu escroques le monde entier. Tu dis que tu vends quoi, Zoua? Wakwane Dje. Dje Wakwane. Wakwane Dje. A Zoua. Laurent, ça fait. Regardez. Mais c'est du plastique, mon Dieu. Zoua, elle vend quoi comme ça aux gens? Regardez ce qu'elle vend. Didi. Pour venir ouvrir sa grosse gueule, pour gâter le business des gens, là où elle est forte. Zoua, tu as dit la dernière fois que tu es venu au Cameroun m'enfermer, tu ne m'as pas enfermé, pourquoi? Sache donc que je t'attends le tour-ci. Regardez. Regardez ce que Zoua vend aux gens. Papa, pas loin. Regardez. Maman, donne-moi l'eau. Je verse. Ça a déjà brûlé, ça peut même nous brûler la maison. Donne-moi un seau d'eau rapidement. Mais ça, c'est le plastique. Mais la femme, la vend quoi comme ça? Regarde comment ça brûle. Regardez comment ça brûle. Fais-y, donne-moi l'eau, je verrai que... Mais dis donc! Hé, hé! Fais-y, tu es où? Non, 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 il faut que je verse de l'eau. Regardez! Qu'est-ce qu'elle vend comme ça? Mais moi j'ai peur, hein? Dès qu'ils font même la recette à Zoua. Zoua vend quoi comme ça? Ça c'est un cadeau qu'elle m'a offert, elle appelait ça Louis Vuitton. J'ai acheté ça à 350, 500 euros. Voici 850 euros qui brûle. 850 euros. Pour ouvrir sa grosse sale gueule sur Facebook, mettre sur café. Zoua. Je vais te clasher tous les jours. Tu as compris, non? Tu vas me dire où j'achète les produits à Bamenda. Tu as dit aux gens dans ta dernière vidéo que je ne te réponds pas parce que j'ai peur. Je reconnais tout ce que tu dis, non? Je vais te clasher. Regardez. Ça, c'est un sac qu'elle m'a offert, les chaussures. Du n'importe quoi. Comme si on te disait que je porte la racaille, Zoua. Voilà ce que Zoua m'a offert. Sac Louis Vuitton. Sac Louis Vuitton et les chaussures Louis Vuitton et lent. Et bolé lent. Zoua, je vais te clasher tous les jours. Je vais te clasher. Je n'ai plus rien à perdre. Comme je restais tranquille sans répondre, tu pensais que j'ai peur de toi, la vieille. Je n'ai pas peur de toi. C'est qu'on dit on répond aux imbéciles par un coup de silence. Mais maintenant, je vais te répondre. Zoua, je vais te répondre. Elle m'offre la chinoiserie. Tu penses que je suis à une chinoiserie prête, Zoua? Je ne porte pas ça. Regardez comment ça prend feu pour des articles de qualité du n'importe quoi. Le matin, elle est sur moi. Le soir, elle est sur moi. Zoua, tu me réclames quoi? Je te connais où? Zoua, je te connais dans Facebook. Je te connais où? Tu as voulu les clashs, non? Je vais te clasher. C'est-à-dire que tout le monde va chercher à me clasher. Je ne vais pas répondre. Je vais m'accrocher sur Zoua. Ça, c'est son sac et ses chaussures qu'elle m'a offert. Je brûle ça devant le monde entier. Je ne porte pas ça. Le plastique. Moi. Si c'est pour ça que tu me gueules, je commence par ça. Voilà ça. Ça n'arrive même pas à s'éteindre. Je commence par ça. Voilà ce que Zoua m'a offert. Un soi-disant sac et des chaussures. Et bolodjoum. Zoua, toi et moi, ça c'était le numéro 1. Une vidéo, je fais deux. Tu as gâté mon business.
Tu t'es assise sur mon gagne-pain. Tu as raconté. Je commence par brûler la chinoiserie que tu m'as offert. Tu appelais ça que c'était sac quoi? Sac Louis Vuitton. Sac Louis Vuitton, n'importe quoi. Premièrement, commence à vendre des bons articles. Tout le monde entier a vu comment ça brûle. Le plastique. Tout le monde entier a vu comment ce plastique brûlait. Zoua, je vais te répondre. Parce que je suis restée. J'ai demandé à Dieu ce que j'ai fait à cette sale chienne. Cette racaille de vieillesse. Elle n'a pas répondu. Zoua, toi et moi dans Facebook. Toi et moi. Tu as voulu les clashs, non? Tu es descendu au Cameroun pour chercher les clashs. Je vais donc clasher avec toi. Tu as voulu la